D'abord, rien l'aider. Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, il fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église, qui roupille raide comme une saillie blanc, comme un cierge de Pâques, et qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une taine, même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin d'une autre ville, que c'est pas fini. Il fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto qui aimerait bien avoir l'air, et qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer riche quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche, et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands, et ça fait des grands. Puis elle est toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, y a Frida, qui est belle comme un soleil, qui m'aime pareil que moi, j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, qu'on vivra dedans, qui fera bon y être, que si c'est pas sûr, eh bien, quand même, peut-être, parce que les autres veulent pas. Non, les autres veulent pas, les autres. Ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon et grand, j'ai eu ça, j'ai jamais eu ça. Ou alors, il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ils sentaient pas bon, enfin, ils veulent pas, ils ne veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors, moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.